Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis en direct. Je préfère qu'elle regarde avec CRM, quand on voit des personnes qui sont disponibles pour la consultation. Prenez que je vais commencer à consulter à partir de 12 heures du Cameroun, donc 11 heures de la Côte d'Ivoire. Donc je consulterai entre 11 heures de la Côte d'Ivoire et 12 heures. J'arrête à 12 heures, donc de 12 heures à 13 heures de la Côte d'Ivoire, je ne consulte pas et je reprends les consultations à 13 heures de la Côte d'Ivoire. Donc elle essaie de serrer les personnes, d'insérer les personnes dans mon planning. Chaque consultation 20 minutes. Voilà. Commencez par ça. Bonjour, oh, bonjour. Il n'est pas mis dans le groupe que je suis en direct. C'est là-bas que j'informe les gens. Connectez-vous, vous-même vous connaissez. Il n'y a pas besoin de vous dire. Il n'y a pas besoin de vous dire que connectez-vous. Merci, Lisette. Amgaka. Opiaka. Une bonne année. Et. Voyez avec Miss Géraldine si elle a besoin de quelque chose.
Merci pour les bénédictions que vous m'envoyez. Oleta. Oh, Piaba Camerouna. Eh? Oh, Piak, singa d'abord. Vous savez, quand il vient au Cameroun, vous ne faites rien. Oh, Piaba. Mais vous connaissez. Il demande ce qu'elle m'a gardé, mais dit qu'elle m'attend au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, vous faites quoi? J'étais au Cameroun hier. Non, avant-hier. Hier, j'étais au Gabon. Bonjour. Appréciez ma beauté ce matin. Je suis belle, non? C'est comme ça qu'on porte le chapeau Bami de Kerr. Le chapeau Bami ne se porte pas comme ça, là. Ou comme ça, là. Bon, moi, j'aime porter ça comme une couronne. Il faudrait que je mette des étoiles ici, en haut. Je dois mettre des étoiles ici. Tout. Bonjour. Ok, merci pour vos compliments. Quand vous voyez quelqu'un qui est beau, il faut lui dire que tu es beau, tu es belle. Dites-lui. Ne faites pas l'hypocrisie. Hypocrisie. Notre belle famille n'est pas hypocrite. Quand on gagne, ils sont fâchés. Ils ne sont pas hypocrites. Oui. Je vendais l'écharpe, c'est la dernière fois. Est-ce que vous étiez là? Personne ne voulait acheter, non? C'est l'écharpe la plus rare. J'ai marré mon écharpe avec mon chapeau. Vous voyez, et c'est trop forte. Bonjour, on va parler des vraies choses. Connectez-vous. Venez au... On va parler de vos familles qui vous bloquent là. Les membres, les éléments perturbateurs de votre famille. Hein? Les éléments perturbateurs de votre famille. Tu sais, dans la vie, parfois, tu te dis, ok. Les amis, même, ça ne me laisse pas. Les amis ne me laissent pas. Les ex ne me laissent pas. Tu prends le gars, oh, ça ne te laisse pas. Les amis, oh, ça ne te laisse pas. Quand tu te tournes et ta famille, ta soeur, ton frère, voilà ma voix, j'ai fait combien de... La victoire des lions, mon frère. S'il n'atterrissait pas à Abidjan, on ne gagnait pas. Il fallait que je vienne. Depuis là, je suis là et vous regardez, vous ne dites rien. J'ai dit que vous observez. Vous ne gagnez pas. Ma présence en terre ivoirienne, ça a boosté les choses. Donc je mets la présence du Saint-Esprit. Je mets la lumière sur vous. Je déclare la stabilité sur vous. Ce n'est pas une voyance, pas de voyance ici. Donc avec vos questions, là, vous quittez. Voilà. Quand je parle, que votre esprit reçoive ce que je suis en train de dire. Il chasse les mauvaises énergies. Les pierres sont disponibles. Je n'ai pas beaucoup. Une femme même qui a pris même comme ça la trois. Donc j'en avais peut-être 17. Donc je crois qu'il reste. Moi-même, j'ai gardé ma page de ça. Donc il y a quand même peut-être deux ou comme ça, deux ou trois disponibles. Ça aide beaucoup pour l'énergie, l'atmosphère de la maison. J'aime beaucoup. Donc je viens enlever toute mauvaise énergie que vous portez. Je chasse. Comme vous regardez. Ce violet, toute âme forgée contre vous est sans effet. Dites Amen. Cameroun va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Dites Amen. Que les distractions de ce qui se passe actuellement, que ce soit le football ou autre chose, que ça ne vous secoue pas, ça ne vous enlève pas de votre projet, de vos idées, de ce que vous avez commencé. Qu'il n'y ait pas de distraction sur votre travail spirituel.
Vous savez, les moments où il y a... de grands tournois. Par exemple, le combat de Francis Ngannou au Cameroun qui joue. J'ai ma copine de Sierra Leone qui est en Angleterre. Ce matin, elle me dit que le Cameroun, vous aimez donner les... On ne gagnera pas, jamais. J'annule ta prière au nom de Jésus. Donc, elle me dit ce matin que votre équipe, ah, ils aiment les sensations fortes. Donc, quand il y a des événements qui secouent toute la terre, vous devez faire attention parce que généralement, ça vient un peu comme si ça vient pour équilibrer. C'est comme si ça vient pour équilibrer l'énergie de tout le monde. Donc, peut-être que tu avais à commencer un travail spirituel, tu étais en train de devenir high. Merci, chic, dors. Donc, ça vient. Ça met tellement de distractions que ton momentum que tu avais construit, ça met une diversion. Donc, vous devez être très, très, très attentif. On subit beaucoup de secousses énergétiques quand il y a des événements. Et vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça permet de faire que les nouvelles se répandent. Il suffit que l'ennemi décide de n'importe quoi. Il lance ça, ça prend les réseaux sociaux. Et tu es sûr que en l'espace de deux jours, on a parlé de poussière, tout le monde connaît poussière. La poussière d'Abidjan. Donc en fait, c'est le téléphone que vous avez en main est un outil. Comme ça peut être quelque chose aussi qui peut facilement bloquer votre manifestation. Bonjour Franchin. Donc je vais vous parler de la famille. Je reviens sur la famille parce que je sais que parfois vous pensez que moi-même. Vous pensez que moi-même je n'ai jamais d'attaque, n'est-ce pas? Vous pensez que je n'ai pas d'attaque. Vous dites généralement que bon non, toi là, oui, tu parles seulement pour nous. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous me dites que depuis que je me lave avec le sel, les gens me fuient. Vous me dites ça, non, mais les gens me fuient. Peut-être sont même tes amis. Les vraies personnes qui te bloquent. Tes vrais bloqueurs. Ce sont les membres de ta famille. Allô? Oui, oui. Non, je ne peux pas décrocher. Je l'ai appelé le matin, elle n'a pas décroché. Je vous ai dit 11h30 au local. Donc ça, c'est sûr. Je suis en train de bosser, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas décroché son appel. Oui, au local, oui. C'est en face de l'école, juste à côté du supermarché Bellecôte. Oui, merci. Donc, vous aurez la période où votre entourage va partir. Deuxième partie que vous aurez comme problème. Tu as rêvé de moi, j'avais une boutique de vêtements. J'espère que tu as acheté mes vêtements dans ton rêve. Hein? Ta deuxième phase, ce sera les membres de ta famille. Je rappelle que le rituel de pleine lune, c'est demain, le 25. Ceux qui ont déjà assisté à mes rituels de pleine lune, c'est payant. Les astuces, vous les avez sur TikTok. Je n'ai même pas besoin de vous donner les astuces. Maintenant, on paye pour ceux qui veulent faire le rituel avec moi. Et s'il s'avère que vous n'êtes pas connecté, le moment où on travaille, pas de problème. Je travaille sur vous à distance. Voilà. Donc, je disais que l'un de vos plus grands obstacles, ce sera votre famille. Votre famille
Comme tu es né comme ça là, hein? Mm-hmm. Tu es né de ta mère non? Et de ton père, non? Le rituel de pleine lune, c'est 25 000. Mm-hmm. Buenos días. Premièrement, tu vas rencontrer dans ta famille des personnes qui aiment être devant, qui aiment être vues, qui aiment que ce soit seulement elles qu'on voie. Peut-être quand vous étiez petit, c'est peut-être le dernier né, c'est peut-être celui qui est le premier qui est parti en bain. Bonjour. Renfrost. Et quand vous étiez petit, c'est quelqu'un qui avait un caractère trop fort. Et ta famille n'a pas adressé cela. Donc c'est quelqu'un qui t'opprimait beaucoup. Quand tu grandissais, peut-être ça peut être ton cousin, ça peut être ta cousine, ça peut être ton frère, ta soeur. Oui, ça peut être même ta. Parfois, ton père a peut-être pris son dernier petit frère. Il est élevé à la maison. Hmm? Et quand il a levé comme ça, donc c'est ta tante, mais je n'explique pas les rêves ici. Je suis là pour enseigner. Si mon enseignement ne t'intéresse pas, l'interprétation de rêve est payante. C'est 20 000. Mon numéro est dans ma bio. Voilà. J'aime mettre les plats dans les plats. Les fourchettes dans les fourchettes. Les gobelets dans les gobelets. Ne venez pas ici pour enseigner. Thank you. Donc, ton père, parfois, peut-être a pris sa petite soeur. Il l'a élevé comme premier enfant. Et cette petite soeur était plus âgée que toi. Et t'a beaucoup opprimé. Donc, tu grandis. Et en anglais, on dit bully. Cette personne est toujours en train de te critiquer. Et croyez-moi, dans l'enfance, peut-être cette personne volait toutes tes choses. Cette personne mentait sur toi et tu ne te justifiais jamais. Il y a quelqu'un ici, là, tu es en train d'être guéri de l'ulcère, ulcère gastrique. Reçois ta guérison. Tu n'arrivais pas à jeûner. On me dit, te dit que tu vas maintenant arriver à jeûner. Et la façon dont... Ok, il y a aussi quelqu'un ici avec le... Il y a un truc, tu sentais souvent un serpent qui bougeait dans ton ventre. Si tu as fait les jeûnes qu'on a fait, tous les mercredis on jeûne, donc normalement on jeûne aujourd'hui. Si vous voulez faire partie du groupe de prière, s'il vous plaît, mes prières ne sont pas comme pour tout le monde. On ne se pointe pas pour faire dire je vous salue Marie. Je prie comme Dieu m'a guidé. Je me pointe et j'enseigne comme Dieu me guide. Donc vous écrivez, vous dites que je vais entrer dans le groupe de prière. Écrivez, pas dans le commentaire. Vous écrivez un message en inbox. Donc, il y a quelqu'un ici, tu es en train d'être délivré d'un serpent qui bougeait dans ton ventre. Il y a aussi quelqu'un ici, là, il y avait plein de gaz dans ton ventre, ça va sortir. Une autre personne ici, là, tu vas vomir beaucoup. Ok? Tu vas vomir. L'autre jour, j'ai fait des lavages physiques sur les gens. Lavage physique à Abidjan vendredi, dans après-demain. Donc, j'ai fait le lavage sur une dame et elle est rentrée, elle a vomi. Elle dit qu'il y a l'éponge métallique qui est sortie. Les brins d'éponge métallique sont sortis de son ventre. Donc, il y a beaucoup de cette délivrance-là que vous allez recevoir aujourd'hui. Voilà. Donc, cette oppression que les gens de ta famille t'ont fait subir. Parfois, tu as grandi avec un de tes oncles qui était plus âgé que toi. Certains d'entre vous, vous avez subi des abus sexuels quand vous étiez petit, de la part de vos oncles. Et vous avez oublié. Je m'excuse, je vais toucher des sujets un peu sensibles, selon ce que l'esprit me dit. Mais ça doit sortir, on doit adresser ça aujourd'hui. Ok. Si c'est toi, contacte-moi inbox. Le rituel de brisement Marie spirituelle.
Donc, attache familiale. Je cherchais le prix qu'ils m'ont demandé, c'est 15 000 francs. Moi, ils voulaient même que ce soit 30 000. Donc, on me montre qu'il y a ces liens particuliers. Particuliers. Attache familiale. Ces personnes vous ont violé, touché, abusé. Et c'est resté. C'est comme un joug sur vous. Quand vous improvisez comme ça, là. Ok. All right. Oh, oh. Donc, si tu ressens ça, payez seulement. Je vais faire ça à la fin de cette journée. Payez seulement. Rituel pour briser la tâche familiale. Donc, il y a beaucoup de femmes ici, là, vous avez été abusées. Vous avez été abusées. Vous avez été abusées sexuellement, attouchement. Et on me dit que ton indice... Seigneur, ton indice, c'est que cette personne, deux ou trois fois souvent, tu as rêvé que tu étais en relation avec cette personne. Et parfois, la personne était jalouse de tes gars. Ou bien aujourd'hui encore, tu as l'impression que tu n'arrives pas à présenter ton gars à cette personne. Donc, tu avais ta tante ou ton oncle. Tu as ton copain, hein. Et tu as 35 ans, 40 ans. Oh. Tu n'arrives pas à venir dire que voilà mon gars. Parce que tu sens comme un blocage. Donc, il y a cette délivrance. Si tu n'as pas d'argent, absolument pas, pas de souci. Je vais prier pour vous maintenant. Mais si tu sens vraiment que ça, c'est toi. Donc, attouchement, viol, frustration. Dans l'enfance. Donc, je dois faire ce rituel aujourd'hui. La deuxième partie, je ferai après-demain. Je te libère de cette énergie. Je te libère et ça fait que tu n'arrives pas à être stable dans une relation. Je vois même quelqu'un ici que cette personne a gâté ta relation ou a essayé de gâter. Cet oncle ou cette tante. Et c'est comme si cette personne est sous l'emprise d'un esprit que lui-même il ne connaît pas. Cette personne qui te bloque. Donc je vous libère à cet instant. Au nom de Jésus. C'est comme un joug. Un joug familial. Et là, tu as ton enfant qui est en train de grandir. Et tu as l'impression que tu as toujours peur que ton enfant subisse la même chose. Donc, je délivre vos enfants de toute manipulation, tout viol, tout abus qu'ils pourraient subir, il ou elle. Et j'expose toute personne qui aurait eu à faire des attouchements à vos enfants. Donc, j'ai bien précisé. Ou ceux qui sentent qu'ils sont concernés par ceci et qui voudraient, je ferai un rituel pour briser les attaches sexuelles maléfiques. Entre autres, on peut mettre aussi mari de nuit, mari spirituel. Donc, ça, c'est un truc spécifique que je dois faire. Voilà. Donc, j'expliquais les blocages qu'on peut recevoir de notre famille. Donc, cette personne développe le mauvais œil sur vous à la longue. Elle développe le mauvais œil. Et tu te retrouves... Tu as l'impression que... Je viens de trouver un nouveau gars. Je n'arrive pas à dire à ma soeur. Ta soeur te critique, elle te critique trop. Je sais que vous aimez toujours... Écoutez, il y a certaines protections que... C'est pas seulement ta bouche que tu dis, mamie. Je vous dis, moi, kawa. Vous aimez souvent dire, non, mes enfants, que mes enfants soient protégés. Non. Il y a des rites que tu dois aller faire. Parce que c'est comme s'il y a des entités qui sont déjà lancées. Que tu tournes, ça va localiser ton enfant. Merci, Mamadou, pour l'amour.
Dieu ma victoire, merci. Donc n'oubliez pas, contactez mes secrétaires, il y a le numéro dans ma bio. Donc, je vous donne juste les formes sous lesquelles votre famille vous bloque. Et je veux vraiment que vous commencez à appeler le chien chien et le chat chat. Parce que le joug que ces personnes ont généralement sur vous, c'est de telle façon que tu peux même savoir que c'est ta soeur qui te bloque. Ariane, bonjour et merci. Tu peux savoir que c'est ta soeur qui te bloque, mais tu n'as pas le courage. Et tu vois déjà de soeur que elle a prospéré très vite. Elle a tout. Tu vois, non? Elle a tout. Elle a l'argent, elle est mariée, elle vit dans sa belle maison, dans sa ville. Toi, tu n'as rien. Tu es sur le canapé de ta soeur, tu es peut-être dans une petite chambre avec ton gars. Vous vous débrouillez, vous essayez. Mais ta soeur te jalouse. Je te dis que mais... Et c'est quelqu'un qui est toujours... très pushy, pushy, like. On achète les choses donc pour toi. Elle mange pour elle, elle va rien prendre pour toi. Hmm? Merci pour l'amour. Tu es dépassé que la femme, s'il me veut quoi? Hein? Tu as dans ton carnet d'adresse tous les ministres, les ceci. Tu connais tout le monde. Je ne connais personne. Tu as eu tout avant moi. Je n'ai pas. Et étant donné que vous avez grandi avec une sensation, moi ça m'est arrivé avec mes petites soeurs. Ça fait 5 ans, on ne se calcule pas. On ne se... Moi, avant que ce soit même connu, moi j'avais dit que vous allez seulement que me voir dans la télé un jour. C'est tout. Parce que quand il y avait les problèmes, c'était toujours genre, oh, il fallait comprendre, ce sont les enfants. Non, 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 non. Hey, non, non, non. Hey, est-ce que je suis même sérieuse aujourd'hui? Il ne peut pas accepter. Enfant là. Enfant. J'ai chalé ta couche, je t'ai tapé. Tu grandis, tu peux faire la concurrence. Hein? C'est pas parce que je suis bastos. Je ressemble à une fille de 25 ans. Comme tu as attrapé déjà 22 ans, là, tu crois que tu es la même chose que moi? Non, il faut laisser. Elles sont vraiment... Non, elles ne sont pas jeunes. Souvent, tu te maries avant eux. Hmm. Moi, je veux aussi me marier. Hmm. Sans venir séduire même ton gars. Sans venir même séduire ton gars. Sans aller être les premiers à raconter les versions à tes parents. Hop, hop, ta. Oh non. Et tu sens ça que dans tes os, hein? Erika, tu sens ça que dans ton os. Elle te fait un truc, tu dis, mais attends, j'ai mal vu. Elle te cherche. Et au tchongo. Et au tchongo, le singo. Vous allez comprendre le badjoun aujourd'hui. La fille là te cherche. Oh, oh. Écoute. Elle te cherche. Ce n'est pas erreur. Tu ne fais pas erreur. Comme ton esprit te parle là. C'est ça. Parfois tu entends
un sabotage que la personne a fait sur toi. Mince. Avant, tu n'osais pas les confronter. Le tout, c'est... Ce n'est pas que tu vas bagarrer ou quoi que ce soit. Mais tu vas lui faire savoir que je sais. Je sais ce que tu as fait. Je sais que c'est toi qui allais me gâter à côté de papa. Je sais que c'est toi qui m'as gâté à côté de maman. Groupe familial, là même, je ne suis plus dedans. Je sais que c'est toi qui porte mes choses. J'ai une soeur comme ça, on avait grandi ensemble. Comme chez nous, les Camerounais, là, on dit toujours que soeur, soeur. Vous êtes sortis de deux ventes différentes, de deux horizons différents. Parce que vos parents étaient frères et soeurs. Je dis que oh, c'est ma soeur, non. C'est ma soeur. Et qui est? Olivia, il savait que toi, il savait que tu étais dedans, il te connaît. Quels sont les avantages? Tu vas te comparer à moi. Parce que mes soeurs faisaient ça souvent. Un jour, j'arrive au Cameroun, non. J'avais une huile, la Patricia Régnier, que j'utilisais à l'époque. Ça arrangeait un peu mon visage, comme vous voyez là. Et en fait, mes soeurs étaient encore petites comme ça là. J'arrive, je suis dans mon meublé. Elle vient de rester chez moi deux jours. Et la gamme de ce huile là, c'était 200 euros. À l'époque. Je suis arrivé, j'avais voyagé avec mes trucs, donc je venais pour deux semaines. J'avais déposé mes huiles dans l'armoire comme ça. Hop! Je vois, elle me demande. la gamme Patricia Régnier, ça coûte combien? Hop! Je n'ai plus pitié des enfants, hein. Je n'ai plus pitié des jeunes. On m'a fait ça dur. Parce que c'est un passage nécessaire. Vous êtes en thérapie avec moi aujourd'hui. Peut-être même certains me suivent même. Ils ne savent pas comment vous faites pour me regarder. Alors que vous ne parlez pas. Vous êtes sur ma page. Je ne sais pas comment vous faites. Vous prenez la cardio de ça. Ou... En tout cas, regardez-moi seulement. Voilà l'un des signes. Tout ce que tu as, la personne veut. Oui. Un autre signe. Ton gars te dit, t'es seul là, faut faire attention, hein. Peut-être le gars est venu pour faire le toquet porte. Il a fait un con, con, con. Elle a guetté par la fenêtre, elle a vu. Elle est partie mettre le décolleté. Elle sort comme ça, elle fait ça. Oui, bonjour, vous cherchez qui? Le gars te dit que, hey! Il sait pas, mais t'es seul là. À l'époque, j'étais encore gentil. Hein. J'étais encore gentil. Je ne mettais pas encore les longs ongles. Les ongles qui griffent. Les ongles qui griffent. Je tape maintenant. Hein. Peu importe ton âge. Mon vabou. En bateau femme. J'ai une de mes filles, là, quand elle venait de commencer à me suivre définitivement. Elle avait une de ces petites qu'elle avait formées dans son salon là. Oh, la petite là l'attaque un peu. Mof, elle était au marché. La petite là d'abord elle va appeler comme ça, lui manquait de respect au téléphone. Que wow, 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 elle dit qu'attends un peu. Je suis dans ma trentaine, trente quelque chose. Toi tu viens de commencer 20 ans. Donc tu as à peine dit que tu as à peine. Tu... Elle arrive au marché, elle tombe nez à nez avec la fille. Elle a retiré sa perruque, donné à la femme qui vendait le plat tomate. Que arrête comme ça, là j'arrive. Que arrête mon sanja, go sort. Elle a pris la fille là. Tapez physiquement, oh. Soit les démons là entrent dans vos gens là pour venir vous attaquer physiquement. Mon va bon gars. Vu que j'ai le goût. Hein? Quand l'enfant t'énerve, tu passes deux semaines à dire à l'enfant qu'il va te taper, il va te taper. L'enfant dit que oh la mère là, oh. Menace sur nous, mais non. Tu le coinces quelque part dans la maison comme ça là. Mof. Ma grand-mère te fermait dans la chambre. Elle te touche. Elle te touche. Quand tu sors comme ça là, tu confirmes que le Cameroun a 5 étoiles. Hein? Tu confirmes que les lions donnent l'AVC.
Voilà. C'est ça. Entre. Pourquoi tu es en retard? Voici. Tu es loin. Ok. Va seulement travailler. Je suis en train de faire mon direct. Tu la touches. Oui, quand elle finit, elle confirme que non, ça c'est vraiment ma grande soeur. Oui. Non, tu sais, vraiment, moi je ne veux pas qu'on parle mal de moi dans la famille. On parle déjà mal de toi. Marie dit, Marie dit, ma part de soeur, quand elles sont arrivées en Bing, elles sont venues dans mon dos. Communiquer avec mon mari en cachette. Mon mari me dit qu'il m'informe que tes soeurs viennent aujourd'hui. Il dit que quoi? Tes soeurs viennent aujourd'hui. Je dis que quoi? Elles ont fait 10 heures de route. Non, attendez, elles sont entrées dans le train à 7h30. 7h, 19h, ça fait 12 heures, n'est-ce pas? 19, 20, 21, 22, 22. Donc, elles ont fait 12, 13, 14, 15. Elles ont fait 15 heures et demie de route pour arriver dans ma maison. Bonjour Béranger. Maman, Bella, c'est comme si on t'a fait la même chose qu'on m'a fait. Ok, Bella, comment toi et moi se ressemble aujourd'hui? J'ai à digérer l'affaire là, c'est à passer. Et le jour où elles arrivent, mon Joe entre à la cuisine pour préparer. Quelqu'un que je ne savais même pas qui connaissait toucher la pierre. Oh, j'ai vu le film. Je ne savais pas qu'il a touché la pierre le jour là. Il t'a écrasé sur la pierre comme ça, comme coucho, coucho, coucho. Fais fuir le poisson. Oh là là. J'ai dit, ah bon, hein. Ah bon, hein. Elles entrent chez moi à 22h30. 23h30, je suis en train de bagarrer avec mon mari. Parce qu'il m'a dit, sors de la chambre, tu viens saluer tes soeurs. J'ai dit que ça, c'est trop. This one too much. Hein? La folle, il y a une folle dans moi. Oui, que j'ai plusieurs personnalités, non? Le rituel c'est 25 000 reines. J'ai porté mon wang ici. J'ai attaché le sanja. Mon karaté est sorti sur mon gars le jour là. Une heure plus tard, on tente de bagarrer. Après, ça est parti dans la chambre. Il dit que. Hey! Bien sûr, à 23h30, tout le monde au pays connaissait les arcs. Wow, j'ai fait telle chose. Wow, Jocelyne, il dit que, pardon, laissez-moi. Tu viens chez moi, il ne connaît pas, c'est mon mari qui connaît que tu viens chez moi et tu es ma soeur. C'est le rituel de pleine lune qui est 25 000. Le rituel pour le détachement familial, le détachement des abus sexuels, c'est 15 000. Le rituel là, c'est venu dans ma tête, ça fait 20 minutes, ça fait 10 minutes. 10 ou 15 minutes qu'il commence le direct. Donc, les gens qui ont été abusés dans l'enfance, là, abus sexuels, mari spirituel, ce rituel c'est 15 000 pour vous détacher d'eux. Voilà. Rituel de pleine lune, c'est demain. Lavage physique déjà à Abidjan, c'est vendredi. Mof. Il dit que j'attendais seulement que l'une des filles là mette un peu sa main sur la bagarre là. J'allais laisser l'homme là, je les tape d'abord. C'est comme ça que l'homme a pris alors ma parole, mon nom dehors. Appelez ma belle famille. Wow, wow, votre femme, quand vous êtes venue chez nous d'hôtel là, elle a tenté de vouloir tuer mes filles là-bas en Europe. Merci Béranger. Oh, que tu es gentil. Merci. La famille, hein. Parfois c'est même père, même mère. Ma part c'était juste même père. Parfois c'est même père, même mère. Mais quand ils te regardent, une fois tu as tapé la tienne avec les mains. Même père, même mère, parfois. Tu restes comme ça, tu dis que, hey, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? J'arrive en Belgique, je travaille 1000 euros, je prends même 100 euros, 200 euros. Tu sais, d'abord, je dois payer mon loyer, payer mes ceci. Et qui est
C'est comme s'il y a des jougs. Comme s'il y a des esprits qui entrent dans les gens-là. Oui. Que opprimer votre soeur. Donc, préparez-vous. Quand vous allez commencer votre lavage au sel, vous avez déjà peut-être commencé. Vous allez voir leur vrai visage. Ta propre soeur voulait détruire ton couple. Tu l'as renvoyé. Ah. Quand tu vas commencer un peu ton lavage au sel comme ça, un petit coup là, pam, tu vas t'écrire en inbox. Avec un petit manque de respect là, tu dis que, ok, où est-ce que tu vis? Attends un peu. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Vous allez apprendre à le taper sec. Écoutez, taper. Jésus a dit à ses disciples, qui est mon frère? Qui est mon père? Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté. La volonté de mon père. Quand tu grandis, tu commences à avoir ton éveil spirituel, tu commences à trouver ta voie. Ça peut arriver très jeune. Hein? Tu peux commencer à 15 ans, 18 ans. On m'a parlé d'une jeune fille une fois. Elle est née dans une famille de décepticons. Tu vois le genre de famille que la mère a le doctorat en hypocrisie. Ils ont chassé même 5 femmes chez leur frère. Hmm? C'est frère comme soeur, hein, Boris. Voilà frère Boris qui parle pour son frère. La mère a le doctorat en hypocrisie. Les frères d'avant et les frères après elle. Ils ont pris la licence. Ils sont en train de faire le master cette année. Le père, il se débrouille, il est encore en deuxième année. On ne sait pas s'il va avoir la licence. Parce que les pères souvent ne sont pas trop investis dedans. Mais ils font tout ce qu'on leur dit de faire. Tu sors au milieu. Tu es l'opposé. Quand la mère dit que oh, moi je n'ai pas appris chez telle personne. Hein. Pendant que tous tes frères sont déjà là. La mère ne parle plus avec eux. Eux aussi ne parlent plus. Toi, tu sors ta part, tu es à l'opposé. Tu es totalement différent d'eux. Parfois, tu te regardes comme ça, là, tu dis, mais vous êtes sûr que je suis votre soeur? Parce que tu ne te comprends pas. Ils font les manigances, ils font les choses. Parfois même, ils font ça même, ils restent, ils se mettent entre eux dans une pièce, ils parlent. Quand tu entres, tout le monde se tait. Quand tu sors, ta famille, hein? Ta propre famille, oui, ta famille, acceptez seulement comme vous êtes là. On te donne quelque chose, on partage quelque chose à tout le monde. Toi, tu prends ta part. Ta soeur t'a arnaqué. On partage, toi, tu prends ta part. Tu pars, tu distribues aux gens, tu aides les gens. Ta soeur vient voir et dit que aide-moi aussi, non? Moi, je suis une orpheline. Hein? Faut m'aider. Elle commence maintenant à t'intimider dans le groupe familial. Que vraiment, il y a les gens ici là qui font comme s'ils sont déjà arrivés. Hein? Ils vont dans les orphelinats. Ils font le gros dos. Il y en a même qui vous voient dans mes directs. Que vraiment, ils suivent déjà la femme là. On me déteste beaucoup. On me déteste. Je suis détesté dans vos familles. Vous savez ça. Vous avez ça. Béranger, tu es où? Ah, toi, tu es au Gabon. Hein? Tu n'as pas vraiment, tu n'as pas trop, tu n'as pas trop l'argent. Hein? C'est toi là, non? Tu m'envoies tous les roses de, 10 centimes là. Hein? Tu n'as pas trop l'argent. Mais ça va, tu es gentil. Hein? Tu as fait la tontine, on a refusé de donner ta part. Hé, hey, famille. Monsieur Noir, juste merci. Je suis camerounaise depuis le début de la CAN. C'est pas aujourd'hui que je suis camerounaise. Je porte les chats. Allez voir dans mes directs d'hier, avant-hier. J'ai mis les chats sur moi, je mettrai. Je mettrai. Jusqu'à ce qu'on gagne. Quand on va gagner, je vais mettre. Je suis stable dans mes émotions avec le Cameroun.
Vous devez avoir la stabilité. Je déclare sur vous la stabilité émotionnelle. Recevez. Tu as ton petit frère qui sort avec une fille et la fille est loin de sa famille au point où elle lui dit de ne plus donner l'argent à son père. Depuis, il n'appelle plus le pater. Tu peux peut-être envoyer sa photo si c'est ton frère, si c'est les bonnes intentions que tu as. Tu envoies sa photo, je travaille sur lui. On ne part pas pour gagner le prochain match. On est venu remporter la CAN. Rectifiez vos paroles. Donc peu importe la tempête, Jésus a dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Vous voulez que je prêche? Écrivez cela, prêche, prêche, prêche. Preach, preach justly. Let me preach. Jésus a dit à Pierre, tu as marché sur l'eau. Hein? Tu as marché sur l'eau. Tu as gagné déjà 5 coupes. 5 coupes. Où est-ce que les gens là croient qu'ils sont juste qu'ils vont venir te faire trembler? Vous avez déjà vu une coupe qu'on a gagnée facilement? Allez dans nos archives. Je me retiens beaucoup ici là, ok? Je me retiens. Je me retiens. Je me rappelle quand j'avais 11 ans, 12 ans. Il y avait une coupe qu'on a gagnée. Mon grand-père, c'était le père de Njitap. Père à ton âme, papa Samuel. Il est parti se coucher dormir. Tellement c'était le couche-couche. Il y a quelle coupe qu'on a portée, quelle étoile. Vous parlez de quoi? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Le Cameroun n'a pas changé. On a toujours le même président. Hein? Et il a toujours confiance en nous. On a le même président. Et le même Dieu est sur le trône. Donc, homme de peu de foi, arrêtez. Rentrez. Cherchez toutes les coupes qu'on a gagnées. Repartez voir. 8e de finale. 4 quarts de finale. Allez voir. On n'est que dans notre élément. Quand on vient, on met le show. On est toujours comme Jean-Claude Van Damme ou comme Jack Bauer. Vous avez regardé 24 chrono. On le tue même à un moment et son cœur s'arrête. Tu dis que il y a encore 5 épisodes. Je regarde alors quoi. Après, on prend le truc, on fait. On dépose ici là. Il se lève. Vous parlez de quoi? C'est pas parce qu'on parle pas depuis. Hein? Vous avez oublié l'onction qu'il y a sur le Cameroun? J'ai dit que vos émotions vont être stables avec le Cameroun. Vous devez avoir la stabilité avec le Cameroun. Soyez stable. Je décale la stabilité émotionnelle sur vous. Les autres, là, parlez comme vous voulez. On n'est pas en train de discuter avec quelqu'un ici, là. Et on ne discute pas. On ne discute pas. D'ailleurs, notre tonton son. Tonton Rigo, ça c'est déjà oublié, qu'on ne piétine pas les testicules. Vous savez qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer dans mon direct. On ne piétine pas, on n'écrase pas les testicules d'un aveugle deux fois. Hein? Avec les proverbes de notre père, il faut qu'on le soulève jusqu'au ciel. Je suis sûr que les joueurs camerounais se lavent au sel. Il se lave au sel. Hein? Dieu mange le ndolé. Comment vous... Attendez un peu. Rentrez dans les archives. Vous allez comprendre que on suit le cours des choses. Tout se passe comme prévu. Voilà. Je peux continuer maintenant. Je peux continuer mon enseignement. J'ai du vert rouge jaune ici, là. J'ai du vert rouge jaune ici. Tu veux être mon roi. Tu as vu, je manque de quelque chose. Tu me vois comme ça, je dis que je manque de quelque chose. Prends ton vol, tu vas me trouver là où je suis. Et si en venant, je me suis à déplacer, tu me trouves là où je serai. Là, on va voir si tu as le cœur ou la cardio. Tu crois que tu es en bon voyage ici? Je suis une valable et vaillante et valable Camerounaise. Il va être ton roi. Madame Boris, il s'appelle. Tu veux me donner le nom de ton frère, pourquoi? Va en privé pour le travail. Si tu n'as pas l'argent pour payer, tu me laisses. Venez exposer le nom. Tu exposes le nom de ton frère ici, pourquoi? Supprime-moi sur ton message. Arrêtez vos bêtises là.
Tu es spirituel. Tu sais pas qu'il y a les 17, tu vas regarder mes vidéos. Voilà, je continue. Madame Kwame, bonjour. Je suis à Abidjan. Continuons donc le cours des choses. Il y a consultation tout à l'heure. Mais j'enseigne d'abord. J'ai fait 3 jours sans consulter. Je n'ai pas consulté dimanche, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc 4 jours. J'ai demandé qu'on arrête la promo. Sinon, vous allez me bombarder. C'était 30 000 pour le week-end. Celui qui a raté la promotion, tant mieux. Si tu te réveilles 3 jours, tu ne me trouves pas. Tu ne me regardes pas, tu ne me cherches pas. Désabonne-toi, c'est que tu n'as pas besoin de moi. Donc, on parlait de la famille. Ces personnes, quand elles se pointent dans votre vie, vous ne savez pas ce que vous leur avez fait. Et la plupart du temps, ce sont les gens que depuis l'enfance, vous leur avez tout donné. Depuis l'enfance, vous avez tout. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Tout vous avez donné. Les devoirs, même vous les aidez à faire. Parfois, même tu as baissé ta moyenne pour qu'on ne dise pas tout le temps que oh, vous ne pouvez pas faire comme Jocelyne. Vous ne pouvez pas faire comme elle. Tu arrêtes, même tu baisses un peu ta moyenne l'année prochaine. Pour qu'on ne te compare plus trop. Oui, moi-même, je suis à Abidjan. Tu me suis d'Abidjan, je suis à Abidjan. Même comme ça, c'est pas assez pour eux. D'ailleurs, ils vous sabotent. Il y a un esprit qui entre dans les gens de votre famille. C'est un esprit. Et généralement, si vous observez bien, vous allez voir que c'est quelque chose qui a commencé. Ariane, bonjour. Ça a commencé. Vous subissez déjà ça. Avec ses frères, lui. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas brisé. Ce n'est pas qu'on fait avec. Beaucoup d'entre vous, si vous ne quittez pas cela, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Il y en a, vous êtes bloqués dans votre maison familiale. Merci beaucoup. J'ai dû sortir mon verre rouge jaune partout là. Vous ne sortez pas de la maison, de l'environnement. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, sors de la maison de ton père, sors de la maison de ta mère, va là où je vais te montrer. Il y en a parmi vous, c'est dans cette saison. Moi, les groupes familiaux, je ne suis pas dans ça depuis longtemps. Il y a un côté de ma famille que je suis pas dans le groupe depuis longtemps. Parce que c'est que quand j'ai eu mes événements heureux comme malheureux, personne ne m'a aidé. Personne ne m'a cherché. Quand j'ai perdu mon enfant, hein, il y a les gens, il y a les, surtout mon côté paternel, il y en a qui ne m'ont pas contacté. J'ai entendu par leurs enfants ou par les amis de leurs enfants. Personne. Si je perds mon enfant, tu ne prends pas ton téléphone pour m'appeler ou même m'écrire. On a encore quoi à se dire. Et apprenez à mettre les gens à leur place dans votre vie. Apprenez à mettre les gens dans la place qu'ils ont demandé eux-mêmes. Tu veux le trône de la personne que j'ignore le plus, je te le donne. Non, non, pas de Yako, ne vous dérangez pas. C'est mon petit ange. C'est le jour où je vais mourir que tu vas venir. Il y a des gens de votre famille que quand vous allez mourir, ils ne vont pas venir. Je vais faire semblant avec vous. Pourquoi? Hein? Why? Why? J'ai appris à mettre les plats dans les plats, les assiettes dans les assiettes, les gobelets dans les gobelets. J'apprends à disséquer les choses correctement. Oui. Parce que ces personnes ont une façon de vous influencer. Il y a des membres de votre famille que dès qu'ils vous appellent,
tu vas faire 2 jours de dépression. Les personnes qui regardent vos statuts en sous marin là, et vous ne savez même pas qu'ils vous voient. C'est un jour, je dis bien un jour, la personne vient sur ton statut, il fait clic, il écrit. Tu dis, j'étais heureux, j'ai posté, tu n'as pas parlé. J'étais malade, j'ai posté, tu n'as pas parlé. J'étais endeuillé, j'ai posté, tu n'as pas parlé. Je te bloque. Je te bloque. Crozy, je ne cours pas pour faire mon travail. Si tu viens de commencer à me suivre, je ne travaille pas sur les gens pauvres. Ton lave ton sel, ton argent va augmenter. Tu vas devenir riche, tu vas payer mes services. Soit tu écoutes seulement mes vidéos. Seulement écouter comme ça va t'aider, ne te dérange pas. Partez à la réunion familiale avec des gens que vous n'avez pas vus pendant 1 an, 5 ans. Quand j'y pense, même seulement ma tête me fait mal. Je vous assure. Donc, quand elle pense seulement que l'oncle là est parti aux États-Unis depuis 10 ans, on va même parler de quoi? Rosie, si tu es libérée, c'est super vraiment. Merci de partager ma vidéo. Ça fait 10 ans. En 10 ans, qui que tu sois, tu as eu des bons moments et des moments de tristesse. Lui aussi, il a les bons moments et les moments de tristesse. Si en 10 ans, vous n'avez pas communiqué, vous allez parler de quoi? Hein? Dimension dans laquelle vous allez entrer quand vous allez quitter certaines personnes. Vos familles me suivent. Quand vous commentez mes directs, ils vous voient, ils savent que vous me suivez. On a commencé à vous dire que, la femme là, on a commencé à vous dire. Oui, tu as commencé à suivre les enseignements de la femme là. Dis seulement oui. Certains vous ont attaché. Et ils savent que vous êtes attaché. Ils savent que si vous me suivez, vous commencez à faire ce que je dis. Vous allez vous détacher. Et si vous vous détachez, ils vont encore manger quoi derrière vous? Certains d'entre vous ont attaché tous les enfants de votre mère. Et c'est sa soeur qui est attachée. Gabriel, merci. Tous les enfants de ta mère. Fallon, je travaille sur votre maison. Il faut prendre le kit maison hantée. Ou le kit fondation, ça va t'aider. Toi qui as rêvé que je travaille sur toi. Je vends mes produits, vous n'achetez pas. N'achetez pas, vous avez suivi. Lavez-vous seulement au salaire. Avec vos grosses têtes. Avec vos grosses têtes. De toi, têtu que vous êtes. Que c'est pas faux. Reste là-bas, on te bloque. Que c'est pas faux. Je vous connais. On te parle, tu es là comme ça. De toi. De toi. Moi, de toi. Et par contre, vous quelqu'un qui insulte les gens dans le direct comme moi. Ça peut cogner un peu vos têtes. Vous bougez. Cindy, tu m'as même sauté meilleur vœu le 24. Désabonne-toi de ma page. Si tu as passé 20 jours sans tomber sur ma page, désabonne-toi. Tu as compris, chérie? Je ne te sers à rien. Moi, you know. Je n'aime pas le mot aide-moi. Quand j'enseigne, si mon enseignement ne t'intéresse pas, tu quittes.
Ha, je suis venu te menacer dans ton rêve d'arrêter de pleurer. C'était vraiment moi. Ça là, c'était moi, mamie. C'était moi, je suis sûr. C'était moi. Ah, c'était moi. Je t'ai dit. C'était moi. Vos grosses têtes, vous ne voulez pas travailler sur vous, pourquoi? La première fois que tu as commenté mon direct, une heure après ta soeur consanguine, que je ne savais même pas qu'elle a mon numéro, elle m'appelle pour me demander de. Elle te demande de me unfollow. Hey, hey! Jesus! Chai! Tu veux une femme comme moi, hein? Alors tu ne peux pas supporter, tu as la cardio. Une femme comme moi. Une femme qui se lève à 22h, elle paie son billet d'avion. 7h, tu dis que je suis en train de partir. Mon vol, c'est à 8h. Tu dis que quoi? Tu penses? Ok, ton téléphone était gâté. D'accord. Rosie, je suis venue essuyer tes larmes. Ne pleure plus. Tu dis que je suis venu dans ton rêve essuyer ton âme. Tes larmes, ne pleure plus. Interdiction de pleurer. Tu es à Yaoundé. J'ai traversé les gens à Douala là-bas. Il y a une femme qui a laissé ses deux enfants à la maison le matin à 5h. Elle est partie à l'agence. J'ai traversé sur elle. Elle est rentrée à 14h ou 15h. Continuez d'attendre. Attendez toujours. Je traverse sur les gens à Abidjan. Vendredi. Lavez-vous vite au sel. Lavez-vous même 4 fois au sel. Vite, vite. Tu te laves 4 fois par jour, comme ça ton argent va vite venir. Tu prends mes produits. Ok? Elle veut venir en Belgique, je ne vais même pas vous dire. Tu attends ton tour. Hein? Les gens de votre famille, là, ils connaissent. Pour Abidjan, prends le numéro, non. Prends le numéro dans ma bio, tu écris. Sur WhatsApp. Tu demandes le lavage. Le lavage, c'est 45 000. Consultation, je vais mettre ça à 35 000. Seulement pour Abidjan. Tu viens te consulter, te laves. Tu pars. Tu as les enfants, on peut mettre les... Je vais probablement faire samedi parce que les enfants vont à l'école. On verra. Ne cherchez pas Yaoundé. J'ai mis doigt là, tu n'es pas quitté Yaoundé pour venir me voir. Donc, il faut me laisser. Taranam. Voilà. Tu vas être proche de moi pour m'offrir un café napolitain. Moi, je bois les cafés de... Achète-moi le chocolat Cadbury. Ou le chocolat chaud Cadbury. OK? Voilà, c'est ça qu'elle veut. Amen. Merci, Moretti. Tu m'invites à Abidjan. Donc je reste comme ça, j'attends ton invitation. Moi, je suis à Abidjan. Je suis chez moi à Abidjan. Béni de Dieu, il faut me laisser. Takano. Je vais te bloquer. J'ai dit le chocolat chaud de Cadbury. C-A-D-B-U-R-Y. Cadbury, c'est une marque anglaise. I love that chocolate. Yeah. Chocolat chaud en poudre, c'est comme le c'est comme le Nesquik, mais c'est du chocolat pur, c'est ce qu'elle veut. Comme il n'y a pas Starbucks en Afrique, là, on va faire avec ce qu'on peut. J'ai mon local au Gabon. Tout ce qui est à Guinée, ne me parlez pas. Guinée, là, vous menacez, la Côte d'Ivoire. Tout ce qui porte le nom de Guinée, laissez-moi pour un moment. Tu as suivi mes vidéos et ton copain qui refusait de te recontacter, de te parler, t'a recontacté. Je travaille à distance aussi. Les consultations. Hier, les consultations, c'était. Et si tu es en Italie, tu m'envoies. Envoie-moi le Parmigiana Reggiana. J'aime bien faire la lasagne avec. Send me Parmigiana Reggiana. C'est ça qu'elle veut si tu es en Italie. Envoie-moi un gros comme ça.
Je veux le parmigiana reggiana. Tu as suivi? Laisse le Cadbury. Cadbury, c'est en Angleterre. Tu as suivi? Achète un kilo de parmigiana, tu m'envoies. Voilà, tu as beaucoup prié avant de trouver ma page. Même s'il faut que tu achètes un téléphone, rien que pour suivre mes vidéos. Parmigiano, c'est Diano, hein. Parmigiano, je veux le... Voilà, je crois que c'était Parmigiana de Diana. Parmigiano de Diano, c'est ça qu'elle veut. Ça fait peut-être 6 ans que je parle en Italie. Ça, c'est mon kiff là-bas. Mais un peu ça, je mets ça dans n'importe quoi. I put Parmigiano Reggiano in everything. Je fais le toast le matin, je mets ça, je mets un peu le beurre. Je fais la n'importe quelle nourriture. Je fais le riz aux tomates, je mets le beurre. Je mets le Parmigiano. N'importe quoi. I just like, you know, just a little bit. Mm-hmm. À Abidjan, le local est à Bellecôte. Voilà, on continue, non? J'aime mon sourire. Je vous parlais de votre famille. Je reprends les consultations aujourd'hui. Ok? Donc, le numéro, je vous redonne les numéros. C'est dans mon... Je connais Rosie, je connais ce qu'elle te demande. Je connais. J'ai été en Italie plusieurs fois. Je connais. Ah, je connais, mamie. Ne te dérange pas. Ne me dis que c'est le fromage. Je connais. J'ai été en Bengo. Vous ne voyez pas, vous pensez que je suis en Afrique. On souffre en Afrique, là. En Afrique, on n'a pas le téléphone. En Afrique, on n'a pas... Pardon. Ok, je donne mes numéros. 237. Ça, c'est pour le... Peu importe le pays où tu es. Dans ma bio, il y a le numéro. Mais je le redonne. 237. 693. 50. 22. 66. Merci, Chris. Donc, 237. 693. 50. 22. 66. Ok, dit, il me faut une table comme celle-là, un meuble télé comme celui-là et une lampe. Donc, il faut deux lampes à la maison avec un tableau qu'on mettra derrière le canapé. Donc, j'ai été à Royal Plaza, j'ai commencé, j'ai pris des produits là-bas. Donc, tu pourrais quand même faire un peu le tour, tu me dis. Attendez, j'ai un business. Le numéro d'Abidjan est dans ma bio. Sors de mon... Va seulement dans ma bio. Le numéro est sur, sur ma chaîne TikTok. J'ai mis ça là-dessus. Non, j'ai pas encore acheté. Mais si tu peux, tu connais là où on en fait de bon, tu me dis. Adresse pour l'envoi. Je ne sais pas quel. Envoi au Cameroun. Au Cameroun, c'est sûr. Parce que je tourne entre la Côte d'Ivoire. Je voyage beaucoup. Donc, Cameroun, c'est sûr. Parce que mes locaux sont là-bas. Mm-hmm. Je cherche quelque chose. Donc,
je n'ai pas trouvé. On continue notre direct. Pour me suivre, tu dois avoir eu une révélation. Ou bien, je vais mettre ça autrement. Tu dois avoir cherché longtemps quelqu'un qui pense comme toi pour te libérer. Parfois, tu restes comme ça là. Tu sens que tu seras la première personne milliardaire de ta famille. Oui. Parfois, tu sens que tu seras la première personne milliardaire de ta famille. Et tu sais que tu ne peux pas oser dire ça. Parce que tu ne peux pas dire ça à ta soeur. Parce que ta soeur a toujours été jalouse de toi. Tu ne peux pas. Joseph a fait l'erreur. Quand on lui a montré qu'il allait dominer ses frères et soeurs, il a couru. Il est parti. Il a dit à son père et ses frères. Il y en a parmi vous, Dieu vous a parlé de vous. Vous savez que vous êtes censé dépasser les gens de votre famille. Et pour ça, tu vas arriver dans une phase où tu ne voudras plus te plier à leurs désirs. La vie m'a... Je n'ai pas eu le choix. La vie m'a amené à faire ce que j'ai. Je n'ai pas eu le choix. I didn't have the choice. Bonjour, Nouvelle-Calédonie. Le numéro d'Abidjan, la secrétaire sera là à partir de 12h. Donc, tu peux appeler à partir de 12h. Et chaque fois que tu as essayé de partir dans le passé, tu es revenu. Et quand tu es revenu, tu as même eu honte. Tu reviens, tu t'assois à la maison. Tu croyais que tu partais en mariage. Tu croyais que tu avais trouvé le bon pain. Assois-toi ici à la maison. Tu vois, si on se moque de toi. Tu as accouché tôt. Ainsi, pâtissière. Tu as accouché tôt. On t'a dit que... Je n'aime pas le mot aide. Quitter ici avec aide-moi. Aide-moi. Tu as vu, j'ai mis ici là que groupe d'aide. Mon numéro est dans la bio. Allez sur mon profil de TikTok, vous allez voir mon numéro. Tu reviens à la maison, ça, tu as honte. Tu arrives en Europe avant eux. Ta mère peut-être déjà morte. Ta mère est morte. Et comme ta mère est morte, ta tante se prend un bon plaisir à te bloquer. Te voilà. Struggle. C'est ta cousine. Elle fait comme si elle est trop ton amie. Dès que tu rencontres quelqu'un, 2 semaines après, ça se gâte. Parce qu'elle a pris, elle est partie dire à sa mère. J'ai subi ça aussi. Une fille m'a dit un jour que sa tante était gardienne de leur... Tu vois qu'on te met successeur de l'arrière-grand-mère, non? On te met successeur de l'arrière-grand-mère. Ce qui fait que quand il y a des choses à faire, c'est toi qu'on cherche. Pour te donner, si y a un pagne, on veut doter quelqu'un dans la famille, c'est à toi qu'on donne le pagne. Si on veut les choses comme ça, non? Du coup, thank you.
La libération de cette jeune femme était dans les mains de sa tante. Elle arrive au village pour faire un travail. Elle ne connaissait même, elle ne connaît même pas comment on lance la poule. Ah! Oh, Seigneur! Aucune âme forgée contre vous ne va prospérer. Je me vois. Je vais tout dire que quand Dieu me voit dans un pays, paye avant que je n'arrive. Ne cherche pas mon programme. Même mon gars ne connaît pas mon programme. Ok? Voilà. Il faut me laisser. Donc, elle arrive pour lancer ça. Elle fait mal. Elle arrive, elle fait mal. La tante là qui était comme la grand-mère ne lui dit pas. Elle part, elle se marie. Son mariage se gâte. Elle se gâte. 8 ans plus tard, elle revient pour faire son deuxième mariage. Elle repart. Elle connaissait déjà. Donc, tout là, c'était plus le seul truc qu'elle faisait. Elle suivait mes vidéos, non? Elle suivait mes vidéos. Oui. Je suis à Bellecôte, à Abidjan. Le local est à Bellecôte. J'ai demandé qu'on me fasse une grande pancarte. Donc, quand vous allez souvent passer en voiture, vous allez voir ma photo là-bas. Vous voyez ma photo, vous entrez. Vous me donnez le cadeau, on va me donner après. Les Brésiliennes, tu veux m'envoyer la Brésilienne aussi? Si tu as les bonnes Brésiliennes, tu me dis. Je t'envoie même l'argent encore. Il ne veut pas que tu dépenses trop ton argent. Après, tu veux me dire que, wow, je l'ai envoyé mes choses. Après, là, les femmes m'ont trop fait envoyer les cadeaux de Mbeng. Après, elles m'ont fait le chantage. Tu sais que je ne suis pas pauvre, non, Rosie? Tu sais, non, chérie? Hein? Donc, vous, là, quand vous achetez les cadeaux, venez me donner. Look out. Please. Please, I beg. I beg. Tout ce que vous m'envoyez là, à l'aéroport, tous les aéroports qui traversent là, il y a tout ça, il y a tout. Même les parfums, tout. Donc, quand vous m'envoyez, envoyez parce que vous voulez me bénir. Please, I beg. N'envoyez pas pour m'insulter. Il m'a envoyé l'autre une fois. Elle me dit, j'ai acheté ça très cher. Ce que tu ne vas pas porter, tu me dis. Je dis, ah, ça peut être très cher pour toi, mais pas pour moi. Hmm? J'ai le sable Vuitton dans mon armoire là-bas, que je ne porte même plus. C'est mon sable qui me plaît. Voilà mon sable là-bas. C'est ça qu'elle porte. C'est ça mon best goût. Hmm? Soit bec, à des becs. Je vous envoie, je vais planer, je vais porter. Vous avez suivi. Je prends avec bon cœur, je vous bénis. Mais ne partez pas derrière faire le chantage. Je ne veux pas. Merci. Ok. Parce que je connais, il y a un style de femme parmi vous là. Quand vous arrivez, vous commencez à vouloir me faire. Donc elle revient pour faire ses travaux 8 ans plus tard. Elle avait commencé à travailler. Que s'il y a quelque chose qui me bloque, quelqu'un qui me bloque, révéler. Ah! King, bonjour. Elle arrive. Maintenant qu'elle a fait son travail, elle ne demande même pas. Elle ne demande même plus à la tante. La tante, là, voit qu'elle a fait ça bien. Elle fait ça bien. Pas la tante, elle ouvre sa bouche. Que, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a cela 5 ans quand tu es venu ici, là. 8 ans, quand tu es venu ici, là, tu faisais. Hein, moi, j'ai vu, vous faisiez mal. Je riais seulement dans mon cœur. Elle veut que j'en... Non. Elle m'envoie l'argent pourquoi? Il y a des gens qui me font des cadeaux en nature. Il y a une là pour mon anniversaire, elle m'avait... Elle a fait m'acheter des macarons à Paris. On est venu me donner. Je reste dans mon bureau comme ça, le lendemain, on arrive avec les macarons. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. J'ai des gens qui m'aiment. Des gens qui m'aiment. Et il y a mon Cédric Rollet qui arrive. Croyez-moi, il y a des gens qui m'aiment. Donc, vous avez des gens qui, parfois, ils connaissent ce que vous êtes censé faire. Mon anniversaire, c'est en octobre, fin octobre. C'est très, très tard. 31 est le jour d'Halloween. Peut-être la tante la connaît qu'il faut lancer les poules pour que les gens, les filles de la famille se marient.
Consultation à distance. Voilà mon numéro dans la bio. Prenez, vous écrivez, vous demandez. Oui, j'ai mon magasin à Libreville. Je n'aime pas le mot aide. Écris. Comment ça te laver avec le sel? Après, tu écris, tu prends un produit. J'ai dit que je suis né le jour d'Halloween, le 31 octobre. Enzo, tu n'as jamais commenté dans mon direct. Je vais te bloquer. Je crois pas, tu me sais même pas. Tu n'as pas commenté, ça veut dire que tu ne peux pas acheter mes produits. Ça veut dire que tu ne te laves pas au sel. La tête est bloquée. Quand vous venez ici, faire comme si vous connaissez trop là. Je bloque. Même si j'ai fait l'erreur, je dis qu'à lui, c'est le 30. Ça fait quoi? Je continue. Il y a des personnes, vous êtes peut-être en Europe, papier bloqué, dossier bloqué, il faut peut-être lancer ta poule, il faut peut-être faire un truc au village pour toi. La personne va faire pour ses enfants, ne fait pas pour toi, parce que tu es sa nièce. Ces personnes existent. Elles sont dans votre famille. Et généralement, ce sont des personnes que vous n'avez jamais aimées. Tu ne sais pas pourquoi, mais le sourire de cette tante, elle a été toujours un sourire hypocrite pour toi. Tu l'as toujours su. Oh, Laline, oh, Angela, oh.